Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment télécharger la nouvelle mise à jour de WhatsApp 8.65. Alors, l'ancien WhatsApp c'était 8.52, il vient de s'expirer. Donc, il faut effectuer une nouvelle mise à jour, sinon, probablement dans une semaine ou 2 semaines, ils vont stopper l'application. Donc, faites directement la mise à jour et vous allez avoir 8.65. Et je mettrai le lien en bas de cette vidéo dans la description. Comme ça, vous allez cliquer sur le lien pour pouvoir télécharger directement l'application. Mais nous allons faire ça étape par étape pour montrer comment télécharger de A à Z jusqu'à l'installation. Maintenant, ce que vous allez faire en premier, d'abord, avant de commencer, c'est d'abord de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez pas rater nos prochaines vidéos. Alors, la première chose à faire d'abord, c'est de désinstaller l'autre WhatsApp. Bon, je ferai une vidéo pour vous montrer comment d'abord sauvegarder vos données WhatsApp et ensuite pour pouvoir désinstaller. Mais dans cette vidéo, je vais juste vous montrer comment installer ce WhatsApp. Donc, vous allez prendre le WhatsApp, puis vous désinstaller. Une fois la désinstallation terminée, vous ouvrez votre navigateur, même si c'est Chrome. Puis au niveau de la barre de recherche, vous mettez bit.ly/. J'ai créé un lien raccourci pour vous permettre automatiquement de pouvoir accéder à ce lien-là. Voilà, c'est bit.ly, WhatsApp 865. Bon. bit.ly/WhatsApp 865. Et puis directement, vous allez sur cette page. Vous cliquez sur ce qui est en bleu là. Pour télécharger, accepter, mettez continuer, autoriser, OK. Et maintenant, votre fichier est en train de... Voilà, le WhatsApp est en cours de téléchargement. Donc, une fois le téléchargement terminé, on ouvre directement. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais faire des vidéos pour vous montrer comment sauvegarder vos données sur les WhatsApp Foire 8.65 et autres. Donc, je reçois beaucoup de questions dans les commentaires, voilà, pour que les gens n'arrivent pas à sauvegarder leurs données. Voilà, une fois le téléchargement terminé, vous allez cliquer sur le fichier. Puis, vous cliquez sur Installer. Une fois l'installation terminée, vous cliquez sur Ouvrir. Puis vous cliquez sur autoriser. Accepter et continuer. Puis vous renseignez vos données personnelles et automatiquement vous aurez directement votre WhatsApp. Donc c'était tout. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.